Et vous vous retrouvez. Tout à Ailleurs. fait, vous vous retrouvez ailleurs. Ailleurs. Ah mon Dieu, des tokens. Exactement. Comment on Je supprime vois le un cube de token. Métatron? Je ferme le pop-out. Le pop. Ah oui, merci. Je ne vois rien, je vois mon tu token. Tu vois que ton token, et ben c'est parfait. Peut-être parce qu'ils sont pas dans le noir. Moi je vois tout, hein. Tout le reste est noir. Exactement. Nous on voit dans le noir. Vous, vous voyez Ah dans le oui, c'est noir. Ah ouais, moi je vois que dalle. Bon, c'est pas grave, je suis toujours accroché à Vince Cold. Eh bien. Hop, je vais juste vérifier au niveau du stream. Alors ne regardez pas le stream parce que ça dévoile une partie de la map. Hein. Donc ne regardez pas le stream, je vous prie. Parce que oui, l'option n'a pas bien fonctionné. Et vous arrivez en fait. Ça veut dire que les viewers vont nous voir sur des monstres. Oui, c'est pas oui, très oui, grave, oui, ça. De toute manière, là, on compte ça pour dans pas trop longtemps. C'est pour ça que je voulais vous faire jeter quelques dés, histoire de claquer un peu vos critiques. Histoire que ça soit plus rapide pour la fin. Bah, c'est raté. C'est complètement raté. Vince Cold, on est où? Je vois rien. Vous passez. Alors, ce sont des tables que vous voyez tout autour. Vous êtes tous les quatre dans ce temple. Et en fait, au moment où vous passez tous, vous entendez le mur derrière vous qui s'écroule. Et vous entendez une petite explosion, un petit pouf. Et vous voyez des milliers de petits morceaux qui ont l'air d'être faits d'argent qui viennent s'exploser tout autour de vous. Alors je sors une torche de mon sac et je l'allume. Et je ramasse je regarde si je vois les petits bouts d'argent que tu as décrit et j'essaie d'en ramasser un. C'est de l'argent. C'est vraiment de l'argent, de la matière argent. Et t'en as des milliers au sol. Je ramasse quelques. Oh ouais, venez, on se fait du fric. Vous ramassez, vous mettez à plusieurs pour ramasser un petit peu ça comme des gens greedy que vous êtes. Je regarde derrière nous. Par mode Fort Boyard, pour voir ce qu'on voit sur le mur. Déjà, ceux qui ramassent les morceaux de mur qui viennent s'éclater, vous pouvez rajouter au total dans votre bourse commune l'équivalent de 200 stataires d'or. Oh! Quand même! J'ai pas de bourse commune, mais. Enfin, j'ai bah, pas d'endroit où tu noter. Tu dans TPO à toi. Mais, je vais mettre dans. Bah, en fait, on fait directement 50 chacun. Ouais. Sans chacun, non? Ah non, c'est avec comment vous pouvez oui, c'est garder, commun, donc 50 comme chacun vous êtes que directement. Deux l'avoir fait, vous pouvez garder sans stataires chacun. Hein. C'est vous qui voyez. Je suis pas non, comme non, ça. Non, je partage. Donc ça fait 121 pour moi. Hop là. 50 chacun, c'est ça? Ouais. Adine et Corée. Putain, moi je les avais pas du tout notés. Adine et Corée, dès que vous avez mis les pieds à l'intérieur de cette pièce, vous avez entendu une voix très douce, comme un murmure. Qui parle dans votre tête avec douceur, très délicatement, presque réconfortant. Viens, rejoins-moi, libère. Oh bordel, oh y'a là, oh bordel, c'est encore la même voix. C'est un peu en fait par ce voilà quoi. Je suis toujours accroché à Vince Cole. Ouais, on comprend pas ce que tu dis, Flavien. J'ai dit que j'étais un peu envoûté par cette voix-là, et même si ça me peut, mais je suis quand même un peu envoûté, quoi. Tu as sans trop réfléchir, j'avance. Et en fait, plus tu t'avances dans ce couloir, plus la voix se fait forte dans ta tête. Viens. Moi, j'essaie de te rattraper. Et Aldine, qu'est-ce que tu fais? Rejoins-moi. Aldine, attends-nous. J'essaye d'attraper Aline par la manche. Viens Vince Cole, il faut y aller. Je lâche, en fait, moi j'entends plus rien et je lâche complètement et j'appuie sur la porte. Bah j'essaye de le retenir quand même. Bah je les suis. En claudiquant. En fait, vous parcourez un long couloir qui est très large, plus d'une dizaine de mètres de large, presque aussi long que la tour était haute. Vous mettez quelques temps pour arriver jusqu'au bout. Dans,
Dans cette pièce où il fait totalement noir, baigne une sorte de pénombre étrange. Et plus vous approchez, hop, je vais vous mettre ça. Je vous mets au contraire dans la lumière. C'est-à-dire que plus vous vous avancez, et plus vous voyez que sur les côtés du hall, parfaitement alignés entre ces tables, car ce que vous voyez sur la map, ce sont des tables, en fait. Vous voyez des... Ok. Les mêmes que dans la grande salle ? Les mêmes que dans la grande salle, tout à fait. Ok. Il n'y a rien dessus, pas de protubérance ou quoi que ce soit. Il y a 10 tables de chaque côté, qui créent une sorte d'allée. Et vous arrivez au fond de ce hall, et vous découvrez... Alors, hop. Deux statues gigantesques. Je vous mets tout de suite. Hop. Encore une fois, on appréciera la qualité du travail de Fred. En fait, vous voyez... Au fond de cette pièce, une immense ouverture. Et de chaque côté de cette ouverture, vous voyez deux statues de géants de pierre, à l'apparence humaine, et qui ont l'air de soutenir sur leurs épaules le plafond. Ils ont le dos voûté. Comme si vous invitaient à pénétrer dans les lieux. L'ouverture et les statues ont plutôt l'air géant comme l'architecture de la tour. Exactement. C'est immense, ça fait plusieurs mètres de haut. Et la lumière a l'air de venir d'où ? Un peu partout, en fait. Comme si il y avait des espèces, une sorte de pas de néon, en fait, vous arrivez pas à distinguer. Il fait pas nuit, il n'y a pas de fenêtre. Vous êtes clairement enfermé. Et pourtant, vous arrivez à distinguer petit à petit la zone, comme si la lumière provenait du mur en lui-même. Ok. Ce qui vous inquiète là-dedans, c'est que vous n'entendez aucun bruit. Mais plus vous vous rapprochez, et plus vous entendez une pulsation. Tout le monde. Un espèce de bruit sourd qui pulse comme ça. Vous la sentez là ? Vous la sentez, vous aussi ? Maintenant, oui. C'est à ce moment que vous remarquez qu'en fait, dans les murs, il y a des sortes de petits bulbes lumineux qui sont apparus. Et la pulsation vibre en rythme avec ces bulbes qui éclaircissent. Qu'est-ce que c'est que ce... moi, j'y vais et je poque un petit bulbe. Ils ont toujours besoin d'aller toujours toucher les trucs. Je sais pas. Je touche vraiment, tu vois, je fais pas juste un petit poc. Je touche vraiment le truc pour voir si je sens la vibration à travers. Non. Enfin, Deneb, on la sent bien là, pourquoi tu vas toucher le mur ? J'ai besoin de savoir d'où ça vient. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas se regarder comme des chiens de faïence là. On rentre ? Moi j'ai mal au crâne quand même, parce que depuis tout à l'heure c'est quand même assourdissant tout ce qui se passe. J'en peux plus, vaut mieux qu'on en finisse. On y va, j'ai le crâne qui va exploser. Allons-y, restons groupés. Oui, je suis d'accord. Ah mon dieu, des portes ! Non ! Il y a des portes. Effectivement. En fait, alors il n'y avait pas de porte, hein, c'était une ouverture, c'était pour éviter que vous alliez trop loin, avant que je finisse de faire les explications, parce que je vous connais. Au fond du hall, de ce hall, pardon, voilà, donc, comme je le disais, vous êtes en train de cliquer comme des demeurés, évidemment. En fait, dès que vous dépassez ces statues,
Vous vous trouvez dans un nouveau couloir qui est pour le coup perpendiculaire à celui dans lequel vous êtes arrivé, qui est un petit peu plus fin. De chaque côté du couloir, vous remarquez deux portes. Peut-être qu'elles sont ouvertes, pour une fois. Elles sont fermées. Et quand vous vous retournez, en fait, vous apercevez que les deux statues, enfin, il y a deux statues qui ne représentent plus des hommes, mais qui représentent des squelettes dans la même position. Deux squelettes retenant le plafond. Alors, en fait, derrière, quand on est passé, c'était des hommes normaux. Et quand on se retourne, en fait, c'est le dos, c'est des squelettes, c'est ça ? Vous voyez des nouvelles statues, ce sont des squelettes. Il y a comme une, ouais. Comme une pièce jumelle. Ah, là, vous êtes allé. Ouais. Juste devant, là, tu vois, où il y a la porte, il y a l'air d'avoir deux statues, là. Attends. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Ouais, C'est devant nous ou c'est derrière ? Ils sont en symétrie. C'est en face. Non, c'est devant vous, pardon. J'ai dit derrière. Non, c'est devant. Pardon. Okay. Autant pour moi. Okay. Pas très accueillant tout ça. Comme tu dis. Y a rien d'autre, y a pas de décoration dans la pièce. Non. Encore une fois, vous êtes sur quelque chose de totalement vide. Toujours cette pierre grise. Et ce long couloir qui donne sur deux portes. Mais où est-ce Et devant, on voit quelque chose. Devant, là où il y a les squelettes, il y a une grande porte qui est fermée. D'accord. D'accord. On peut pas essayer de l'ouvrir, celle de devant ? On peut essayer de l'ouvrir. Vous voulez ouvrir la porte ? Ouais, je vais essayer de l'ouvrir. En fait, les trois portes que vous voyez sont toutes ouvertes. Enfin, vous pouvez toutes les ouvrir, elles ne sont pas verrouillées. Ok. Du coup, moi, je m'avance sur cette porte... là, et je vais l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. Ça ne marche pas ? Non. Si. Alors, tu pénètres dans une... je l'ai pas fait, mais genre, j'ai ouvert la porte et je regarde. Tu passes la tête et tu regardes une... Enfin, tu aperçois une pièce ronde, totalement ronde, qui fait... environ 10 mètres de diamètre. Les murs sont vides, la pièce est vide, sauf qu'au sol, tu distingues une vingtaine de cercles qui sont espacés les uns des autres de quelques mètres. Et à l'intérieur de chaque cercle, il y a des symboles. Ok. Je sais qui va se précipiter pour les lire. Des symboles. effectivement, je rentre dans la pièce et je commence à regarder le premier symbole qui est par terre. Je rentre pas genre en plein milieu en mode déclencher tous les pièges. Je me penche sur le premier symbole et je regarde à quoi ça ressemble avec ma torche. Okay. C'est une forme géométrique. Ok. Je me dirige vers le deuxième symbole. Est-ce que c'est un autre symbole ? Non, c'est des symboles différents. À chaque fois, ce sont toujours des symboles différents. Dans chacun de ces cercles. C'est des formes simples ? Pas que. Non, ce sont triangle. Des formes complexes pour le coup. Ok, ça m'évoque rien de particulier que j'aurais pu voir, ou des rituels à base de formes. Ça a l'air... ta connaissance te permet de dire que c'est quelque chose qui est assez mystique, qui doit avoir une utilité, mais tu serais incapable de dire quoi. Ok, je touche un des symboles. Quand tu le touches, il se passe rien. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ce sont des grands cercles. Qu'est-ce qu'il fait ? À taille humaine. J'étais sur la porte, genre. Ok. Comme tout à l'heure dans la salle du bas, je tends ma main et j'envoie un petit éclair pour voir comment ça réagit. Mais ouais, pendant qu'Aldine nous ferme la porte au nez. Je peux pas, j'arrive pas. Okay. Fais-moi un jet de dextérité, Deneb. S'il te plaît, Deneb. Ça, c'était la bonne idée du siècle. Non, j'ai arrêté de jouer avec la porte, Xavier. J'ai dextérité. J'y arrive pas.
96. Bon, il y en a... bon, rentrez, parce que je vois, j'arrive pas. Tu essaies de... Tu essaies de contourner les cercles. Et à un moment donné, ton pied se pose sur l'un d'eux. Et tu sens comme une... C'est très bref. Mais tu sens comme une espèce de vague de chaleur qui parcourt ton corps. Une sorte de chaleur apaisante. Ouais, ce que j'allais dire. Non, non, apaisant, c'est quelque chose d'assez doux. Un peu comme si tu te rapprochais d'un feu de cheminée, par exemple. Ok, alors j'ai touché peu lequel importe, là. On a touché un. Hein. Ok. Wow. Je fais des expériences. Hein. Je remets mon pied sur celui que je viens de toucher. Et j'essaie de le laisser un peu plus longtemps pour voir si la sensation évolue. Reste commune, mais elle reste que presque pas assez persistante. C'est presque frustrant. Du coup, en voyant Deneb faire ça, moi je me pose une patte sur le premier cercle à côté de moi. Genre même chose en fait. Lorsque. Alors fais-moi un jet de dextérité, toi, s'il te plaît. Ben, boule de feu. Avec des avantages. Avec des avantages. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah bah, on étudie ! C'est dommage ! Oh ! Ouais, mais non, c'est avantage. Relance un des 20, du coup, pour qu'on prenne. Mais tu lances avec des avantages. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait contre. T'en as qu'un seul qui a été lancé, donc fais lancer un deuxième. Oh ah bah, ouais, c'est dommage. T'essaies de faire pareil, un peu intrigué, presque un peu jaloux de Deneb qui a l'air de comprendre en fait ce qui se passe. Alors qu'en fait, pas du tout le cas, mais en fait, il t'impressionne parce que tu le connais pas depuis si longtemps que ça finalement. Et tu vois qu'il est assez sûr de lui, il teste, il a l'air un peu de savoir toute la portée mystique de la pièce dans laquelle il se trouve. Et toi, t'es un peu jaloux et tu vas pour mettre ton pied pour faire un peu pareil, sauf que t'es un peu plus pâteau. Et en fait, tu dérapes un petit peu et tu te retrouves à l'intérieur du cercle. Et quand tu te retrouves à l'intérieur du cercle, tu vois que le symbole qui est à tes pieds s'illumine et tu as cette grosse vague de chaleur qui vient parcourir tout ton corps. Absolument pas. Toi aussi, tu te sens bien. Cette vague de chaleur vient te réchauffer, il fait froid un peu dans ces couloirs très sombres avec cette pierre qui est très lisse. Encore une fois, on est sur quelque chose de presque métallique, on n'est pas sur une ambiance très chaleureuse. Et là, pour le coup, tu as cette vague de chaleur qui te réconforte et ce symbole à tes pieds qui s'illumine. Bon, là je me reprends un peu. Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites là On étudie la pièce. On étudie la pièce. Aldine, ça va ? Tu sens quelque chose ? Je me sens bien, bizarrement bien. J'ai moins mal à la tête, presque même pas mal à la tête maintenant, en fait. Je vais mieux. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ces trucs-là par terre ? Je sais pas, mais ça produit une espèce de chaleur un peu revigorante, pas désagréable. Une chaleur ? Ah vas-y, j'essaie aussi. Oups ! Pareil, tu... Moi je me mets sur un déron. Genre vraiment dessus quoi. Vas-y, Finscold, viens. Je fais comme tout le monde parce que je suis un peu désespéré de voir. C'est sur toi d'ailleurs, je suis moins sur tes Ok. Et bah, chacun d'entre vous se met sur un de ces symboles. Et il se passe la même chose pour chacun d'entre vous. Vous avez ce symbole qui s'illumine à vos pieds. Et cette vague de chaleur, cette douce chaleur qui émane du sol et qui a l'air de vous pénétrer, de vous rendre bien. Ah, j'aime bien être pénétré par cette chaleur. Soit c'est un sauna, soit c'est un four. Deneb, non, vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Un jet de perception. Perception, Flavien. Pas insight, perception. On est bien d'accord, c'est contrôle. Ouais, tu restes appuyé sur contrôle et t'appuies... Faut rester appuyé hein, sur contrôle. Wouhou! Yes. Oh, est-ce que je viens... Tu viens de rater ton critique, ah t'inquiète. Ah non, merde. j'ai vu 2-20, Skull, mais... En fait, t'as toujours le même problème, c'est-à-dire que t'es blessé, tu souffres, ton armure est trop lourde pour toi presque maintenant.
Donc tu te laisses un peu aspirer par cette douce chaleur pour qui te détend presque. Les autres, vous commencez à regarder un petit peu autour de vous, et avec cette lumière, enfin en tout cas avec le sol qui s'illumine un petit peu, vous apercevez que les murs ne sont pas totalement vierges. Il y a comme des motifs dessus. Deneb, toi, ces motifs, ils te sautent à l'œil assez facilement, assez rapidement. Puisque ça a l'air d'être des constellations. Ça a l'air de représenter des étoiles. Oh, vain Dieu. Vain Dieu, mais je connais bien, moi, les constellations. J'aime bien regarder le ciel, t'as vu? Et je regarde, je suis vachement intrigué et émerveillé à la fois. Et j'essaye de reconnaître les constellations du ciel de Pongée, des constellations que je connaîtrais. Ben, justement, tu t'y connais beaucoup dans ce domaine-là. Et t'as passé la plupart de ton temps à étudier le ciel. Tu connais presque tout le ciel de Pongée. Et pourtant, ces constellations ne te disent rien. Comme si elles n'existaient pas. Oh, comme si elles n'existaient plus. Mais est-ce que ça me dit quelque chose par rapport au ciel de Théros que j'ai regardé l'autre soir? Non plus. C'est presque... C'est bizarre. C'est presque comme si c'était d'anciennes constellations. Ce qui a du sens, au final. Ok. Je suis un peu, je suis un peu pensif. Deneb, qu'est-ce qui t'as le même air quand tu regardais les étoiles. C'est quoi, c'est. Ça a l'air d'être peut-être une ancienne représentation du ciel. Les étoiles bougent au fur et à mesure des années et. Et là, ça a l'air d'être un vieux ciel, mais je reconnais pas de constellations. Je reconnais même pas les constellations de ce monde-là. Donc ça veut dire qu'on est ailleurs encore. Ça veut dire qu'on n'a pas ni rejoint Pangée, ni on est encore dans l'autre truc, dans l'autre monde. On est peut-être encore en Théros, mais ce bâtiment étant ancien, représenterait un très vieux ciel, de très vieilles constellations. Ou alors on est encore ailleurs. Je ne sais pas. Ça me dit rien. Je reconnais pas. Mais c'est une carte du ciel, clairement. Y a rien qui me parle. Bon, partons d'ici. J'en ai marre. On n'avance pas. Allons voir en face des neves. Essaye de mémoriser certaines constellations pour savoir si c'est le même ciel ou un autre. Il y en a un en face. Tu as raison. J'essaie de me concentrer du coup et de repérer certaines étoiles un peu majeures de cette carte. Et puis, puis je m'arrête un peu quand même sur le cercle du milieu pour voir s'il se passe quelque chose de différent si je me mets dedans. Non, à chaque fois que tu rentres dans une sphère, elle s'illumine et tu as cette vague de chaleur qui t'englobe. Et ça change rien au mur? Il n'y a pas des constellations qui changent? Ok. Juste en arrivant vers la porte, je regarde un peu le mur, je touche peut-être l'endroit où il y a les constellations, voir si c'est gravé dans le mur ou si c'est juste de la lumière qui apparaît. Non, c'est gravé dans le mur. C'est gravé dans le mur, ok. Bon, on va à l'autre bout. Ouais. Ok. J'ouvre la porte. Enfin, tu essayes. Tu essayes. J'avais tous des problèmes. Un mur. Non, il n'y a que Flavien qui a des problèmes. Ça, on sait bien. Encore une fois, je tiens à préciser que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Prochaine fois, je demanderai à Marc de prendre la place de Flav. Quitte à avoir des blagues nulles, autant qu'elles soient bien jouées, tu vois. Et vous pénétrez dans une pièce qui est identique à celle d'avant. En tout point. Moi, je vous dis quand même, méfiez-vous au symbole au sol. Hein. On ne sait pas si c'est vraiment la même chose. Prudence. Non, mais c'est pas vrai. On n'en sortira pas de ces trucs-là. Pendant qu'il dit ça, en fait, moi, j'ai mis une patte aussi pour voir si ça fait. Et là, t'es mort. Non, tu. Même chose. Tu poses ton pied et tu as cette chaleur
qui t'envahit. Wow. Ok, bah je fais de même pour allumer, surtout pour allumer un autre cercle que juste pour le kiff. Et je regarde si je vois d'autres constellations. C'est s'il y a aussi des constellations au mur. Tu vois, tu repères exactement la même chose que dans la pièce d'à côté. Ça a l'air d'être le même ciel. Mais à quoi ça sert d'avoir deux pièces avec les mêmes choses dedans? Ah, j'en ai marre de ce truc-là. Franchement, j'ai envie de partir, là. Ça me saoule. Ces trucs magiques, là, je comprends rien. Du coup, moi, je cours un peu partout. tel un petit chien qui est en mode. Quand tu fais ça, je te dis, attends, continue ce que tu fais. Et je quitte la pièce et je vais dans l'autre pièce pour voir s'il se passe quelque chose. Et il n'y a absolument rien. Du coup, il n'y a absolument rien dans l'autre pièce. Il n'y a rien. Du coup, je reviens dans la pièce. Dans un navré, et je fais, vous avez fini. Vous me voyez revenir avec un air un peu malheureux, tu vois, genre. C'est nul, il se passe rien. Allons dans la pièce du milieu. Ça mène à rien tout ça. Oh. Ouais, je te laisse y aller. Tu veux que j'ouvre la porte? Bah, je veux mieux, c'est bien. Bon bah c'est parti, j'ouvre la porte. Wouhou. Et je pénètre. Tu pénètres dans une pièce alors qui n'est pas représentée dans ce dans la carte. Alors en fait la porte que tu viens d'ouvrir, c'est une immense double porte que tu as poussé sans mal, qui était ouverte. Tu as réussi à l'ouvrir sans aucune difficulté. Et tu tombes, enfin vous tombez dans une pièce immense qui fait plusieurs dizaines de mètres de long et presque autant de large. C'est un immense carré. Et sur le sol et sur les murs, vous voyez des centaines de sarcophages qui sont posés à intervalles réguliers, presque cérémonieusement. Là, c'est moins drôle. Ok. Nécropole, donc. Vous en déduisez qu'il s'agit effectivement d'une nécropole. Vous voyez que tous ces sarcophages, encore une fois, il y en a des centaines. Ils ont l'air d'être faits exactement de la même matière que le reste de là où vous êtes. Comme si ça avait été créé et modelé à même le sol. Il n'y a aucune jointure, sauf au niveau du couvercle, qui semble avoir été posé. Mmh. Et vous le constatez uniquement parce qu'il y a une fine rainure qui fait tout le long, et qui indique que cet élément n'est pas moulé avec le reste du sarcophage. Mais tous sont fermés. Quelle taille ? Ok. Je m'approche évidemment. Et du coup, va toucher des trucs, évidemment. Faites attention juste à ne pas parler en même temps parce que ça coupe à chaque fois. Du coup, Flav, tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que Corée et moi, on a encore cette sensation de pulsation? Alors, vous l'avez tous, la sensation de pulsation. Par contre, à chaque fois, et ça je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que Corée et toi, Aldine, vous êtes rentrés dans une pièce, la voix que vous entendiez se faisait de plus en plus puissante dans votre tête. Là, actuellement, là où vous êtes, vous entendez coup, en fait, viens, rejoins-moi, libère. Du coup, en fait, je le sens pas. Oui, comme ça, tout à l'heure. J'ai pas entendu. Tu frottes sur ton micro, en fait, on t'entend pas. Oui. Ah, je disais que j'aurais pas pu jouer. Si j'avais la tête aussi pleine et prise par cette voix dans les autres pièces. Et on voit rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est sarcophage. Écoutez les gars, il y a la voix là qui est de plus en plus pressante. C'est à la limite. Elle est très douce. Non, pas du tout. D'accord. C'est un murmure, mais c'est un murmure, mais c'est un murmure qui est de plus en plus présent dans ta tête. Ouais. D'accord. J'entends, enfin, sûrement Aldine aussi. Nous entendons en fait ce même murmure, en fait, une voix très calme, très paisible, qui nous demande de la rejoindre.
Attends, là d'un coup, t'as Corée en fait qui se redresse un peu, qui dit je t'entends. Est-ce que tu peux nous guider? Où est-ce qu'on tu doit te rejoindre? Tu n'as pas de réponse, mais t'as le sentiment que c'est quand même en train de te guider. En fait, le fait que ça soit plus fort au fur et à mesure que tu pénètres dans les pièces te laisse à penser que ouais. La source de cette voix est proche, se rapproche en tout cas. Enfin, tu te rapproches d'elle. Ok, c'est une pièce close. Là, oui, vous êtes dans une pièce close. En tout cas, de ce que vous voyez pour l'instant, c'est une pièce vide. Elle est très grande, okay. elle est immense. Il fait noir, vous voyez pas grand-chose. Toi, tu... Du coup, okay. Moi... Avec cette voix-là, j'essaie de me rapprocher des murs ou des trucs pour voir si cette impression devient de plus en plus grosse. D'accord. Ou pas dans ma tête. Quoi. En fait, la pulsation et la voix, au fur et à mesure que tu te déplaces, a l'air de provenir du fond de la pièce. Et au fond de la pièce, il y a de nouveau une porte. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Moi, je me suis. Moi, je me suis évidemment ouais. Approché d'un cercueil. Et j'ai touché le cercueil. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'il avait comme sensation? Tu distingues rien sur le cercueil. Mis à part lorsque tu poses ta main sur le couvercle, tu vois que le couvercle est. N'est pas si lourd que ça. Pas d'inscription, non, pas de sensation. C'est un bloc. De cette même fameuse pierre. Ok. J'essaye de... Je regarde un peu s'ils surveillent, et puis s'ils le font pas, je pousse un petit peu. Alors j'essaye d'entrouvrir en fait le couvercle pour voir ce qu'il y a dedans. Fais-moi un petit jet de force, quand même. Lol. Alors, c'est genre pas du tout... Bien. Lol. Okay. Assez, assez étonnamment, c'est-à-dire que en fait, tu t'es préparé, c'est-à-dire que tu connais ta force qui est pas légendaire. Donc tu t'es un peu fait craquer les épaules, les muscles, les bras, et t'as commencé à pousser et t'as commencé à faire un petit grognement, un petit. Et en fait, le couvercle a bougé presque tout seul. Et donc tu l'as ouvert presque un peu plus que ce que tu aurais voulu. Et tu distingues à l'intérieur, l'intérieur du cercueil, du sarcophage est vide, sauf que tu vois la forme d'un corps humanoïde qui a été creusé dans le fond. Comme si, ouais, c'était comme si effectivement on avait creusé pour que quelqu'un puisse s'y installer. C'est la forme ancestrale du lit à mémoire de forme, quoi. Je passe ma torche pour voir si je vois des symboles, des traces, des quoi que ce soit. C'est totalement vide. Moi, je regarde ça par-dessus son épaule. Et puis, du coup, j'essaie d'ouvrir un deuxième cercueil pour voir s'ils sont tous vides. Normalement, j'ai essayé de le faire sans trop que vous voyez, parce que je sais que vous aimez pas trop quand je fais ça. Je suis à côté de toi, je suis resté à côté de toi alors que les autres avant. Tu vas toi aussi me faire un jet de force, s'il te plaît. Bon, ça va. Le truc, il va arracher. Il a des avantages. Non, bah moi, j'ai des avantages, je te rappelle. T'as pas bon ça. Ah, bah effectivement, ouais, ouais, j'ai cru comprendre, ouais. C'est bizarre. Là ah, je crois que je sais pourquoi. Ah. Ok, donc 10. Là, du coup, je fais 10. Ne compte D'accord. pas ce que je vais faire maintenant. Ouais, j'ai compris. Ok. Je te dirai pas bien. Merci. Bon, tu pousses. T'as l'impression que quand tu pousses, t'as l'impression qu'il y a. T'as une côte qui se brise en même temps. Pourtant, c'est pas si dur que ça, mais en fait, tu essaies de mettre un peu de puissance. Et t'arrives à... En fait, t'as une petite douleur dans le ventre, mais t'arrives quand même à pousser le sarcophage. Et tu vois toi aussi qu'à l'intérieur, il n'y a absolument rien, si ce n'est cette forme creusée, cette forme humanoïde. Le sarcophage est suffisamment grand pour que toi aussi, tu puisses rentrer dedans. Même si t'es plus imposant en termes de carrure que les autres, vous pouvez tous être à l'intérieur de ces sarcophages-là. Il n'y a pas de... C'est pas pour un gringalet à la Deneb, quoi. Ok. Question, il y en a combien de sarcophages? D'accord. Ok. On a 4. Stéphanie?
4. Ouais, c'est ce que... Je regarde un petit peu le couvercle que je viens de pousser. Est-ce qu'il y a de la poussière dessus? Est-ce qu'il y a de la poussière par terre? Je regarde après les tassés autour de nous, en fait. Immaculé. Il n'y a rien. Immaculé. Ok. Et t'as dit qu'il y avait une porte? Ouais. D'accord. Ah, je suis tentée de savoir ce qui se passe si on s'allonge tous les quatre dans des cercueils. Tu dis ça à voix haute ou pas? Non, HRP. Il n'y a pas de conversation HRP. Parce que... Ah. Bon, vas-y, je dis à voix haute. Ah, je me demande ce qui se passe si on s'allonge tous les quatre en même temps dans des sarcophages. Je me demande ce qui se passe si on s'allonge, si l'un d'entre nous, ne serait-ce que l'un d'entre nous, s'allonge dans son cercueil. C'est pas rassurant, mais c'est très étrange et très étonnant. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, c'est, mon idée était mauvaise. Quand même, hein. J'ai pas entendu. Bon, Vince Cold, t'es quand même à deux pas, hein, d'y aller. D'y passer, tu t'es trompé, il est à deux pas d'y passer. C'est, Alors, écoute, ça me dérangerait pas forcément de m'allonger deux secondes pour me reposer. Mais on va peut-être éviter de s'allonger dans des cercueils. Écoutez, ma curiosité a beau être très très élevée, faut qu'on avance, faut qu'on sorte d'ici. Ouais, je suis d'accord. Passons la porte. Ok. Vous allez, jusqu'au fond de la pièce, et vous voyez une grande porte à nouveau, gigantesque, fermée. Non. Il y a pas de statue. Et voix vous rapprochez et effectivement, plus cette voix est forte. Je me rapproche de plus en plus de là où va la où est la voix. Ouais, moi je suis Eldin. Aïe. Je Oula. Suis dans Mon Dieu, on est parti. The story, je vais suivre la voix. Très bien. Tu ouvres la porte du coup? Ok. Ouais. Donc t'es face à De quoi? Quoi? Attends, je sais pas, mon token il est passé dans un autre truc et je suis tout seul. Je sais pas si c'est normal. Hop. C'est bien. Ah ouais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pardon. Tu pousses la porte, donc t'es face à cette immense porte de pierre qui est très imposante. Fais-moi un jet de force. Alors Flav, il faut que tu cliques sur le petit chiffre qui est en bas à gauche de la caractéristique, en laissant contrôle. Ah, sur le plus 5? Non, le plus 7. Celui qui est en bas à gauche. En bas à droite, c'est le jet de caractéristique, le jet de sauvegarde. Et en bas à gauche, sur quoi jusqu'à présent? Sur, oui, faut cliquer sur le chiffre. Donc le chiffre en bas à gauche, Flav, en appuyant sur contrôle en même temps. Tu es là? Oh ouais. Voilà. Joli. Oh le beau très gosse. Joli. Oh là là. Et en fait tu vas presque comme une brute, tu vas même juste pousser, c'est-à-dire qu'en fait tu vas courir pour te jeter contre la porte. Et en fait cette lourde porte en pierre, quand tu te jettes dessus, et elle s'ouvre comme si c'était du papier. C'est-à-dire qu'elle est elle s'est ouverte d'un seul bloc. C'est-à-dire que t'as le sentiment que t'aurais juste pu pousser avec ta main et elle pouvait s'ouvrir. Un sentiment que moi j'aurais pu. À partir de maintenant, on le surnommera le bélier. Le mec il a des avantages, il fait 26 et 27 en force. Ah non, t'as fait un jet de sauvegarde. Ah, t'as plus jet de sauvegarde? Caboulé. Bon, c'est pas grave de toute manière, c'était juste pour le plaisir du stress. Oui, donc sur vos fiches perso, je rappelle, alors, attends, je vais la montrer parce que du coup. Hop. T'es où, Aldine? Tu as sur la gauche ton jet de caractéristique. Ah, et tu as sur la droite le jet de sauvegarde. Oui. Voilà. Ok. Et quand tu cliques sur force, ça marche pas. Tu peux jeter ton dé, mais ça marche pas. Mais si tu restes appuyé sur contrôle et ça te lance comme ça. Ouais. Oh!
Attends, je viens de capter moi aussi. D'accord. Ok, à ouais. droite c'est le saving, c'est en ça. Fait, c'est geste de garde, et à gauche c'est le caractère normal. En fait, sur le saving, vous rajoutez votre bonus de maîtrise. Donc vous avez forcément plus 2 ou plus 3, ou plus. Et on met la caractère en ouais, question, si maîtrise le geste de garde en question. Voilà, donc vous êtes face à cette porte, nice. Que je vous laisse ouvrir. Bah, vas-y Flavien, je crois que c'est pas... Bah ouais plus. Oula. Oula. Non, c'est pas un token, ça va. Oh putain. Oui. C'est donc quoi que ce soit. J'ai fait caca sur moi. Mais en fait, vous arrivez... C'est vrai que sur le moment... Vous arrivez en fait dans cette salle ronde qui fait une quinzaine de mètres de diamètre. Et au centre de la pièce, vous voyez cette étrange sphère à moitié mécanique... qui a l'air de flotter à un mètre du sol. Et vous sentez que cette sphère pulse légèrement. Elle est en suspension, un peu en hauteur. Et puis elle... Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on ne joue encore les voix ? Ouais, vous rapprochez, vous entendez demander. Tous les deux encore... Viens, libère-moi. Bah moi je, enfin pas un peu hypnotisé par ça, tu vois, je m'approche de ça. Ça n'a pas l'air de venir de la sphère. Ok. Moi je me décale, je regarde à quoi elle ressemble, est-ce que c'est quoi, c'est des mécanismes. Ouais, c'est assez étrange dans sa conception. J'ai l'intérieur. Ça a l'air très très ancien. Ça a l'air d'être mécanique. Mais il y a aussi une magie qui s'en dégage, tu saurais pas dire laquelle. En fait, le fait qu'elle flotte te fait dire que l'objet est magique. Par contre, il y a des rouages à l'intérieur, ça tourne. Tu sais pas trop à quoi ça correspond. C'est une espèce de sphère comme ça, qui est très grande, fait quelques mètres de diamètre. Okay. Je vais m'approcher, je vais mettre la main dessus, parce que j'aime bien faire ça. Tu mets la main dessus, mais il se passe rien. Par contre, vous sentez tous cette pulsation, hein, tous. Okay. Est-ce que la sphère, elle a l'air purement décorative ou est-ce qu'elle a l'air d'avoir une fonction ? Tu sais pas. Éventuellement, on saurait pas. Donc, je vois des mécanismes et des rouages qui tournent. Non. Ouais. Dans la sphère. Du coup, je vais refaire un petit coup de poignet électrique. Ok. Très bien. Je redonne 3 secondes. En fait, il a toujours rêvé d'être sorti. c'est ça. Décharge occulte. Ah non, pardon. Non, mauvais perso. Non, ça c'est pour pas. Voir comment ça réagit. Ça encaisse le coup, mais ça ne réagit pas. C'est ben dommage. C'est dans la pièce, il n'y a rien d'autre. Sauf au fond de la pièce, mm-hmm. Vous voyez encore une porte. Une grande double porte. Du coup, en contournant la sphère, parce que je pense que la voix m'appelle de ce côté-là. La voix a l'air d'arriver de l'autre côté, effectivement. Du coup, ça commence à devenir vraiment assourdissant. Même si c'est agréable et pas agréable en même temps, et je m'avance vers cette porte-là. Et du coup, je tente de l'ouvrir. La porte ne bouge pas. Je prends la poignée elle ne bouge pas. Je l'ouvre. Il n'y a pas de poignée, c'est une grande porte en fer. Qui a l'air de se pousser. Il y a deux arceaux sur les côtés, comme si tu pouvais, comme si tu devais la tirer. Excuse-moi, pas la pousser. Il ne se passe rien. J'essaie de la tirer. Je le vois galérer de loin. Essaye de foncer dedans. Non. Bah non, on doit tirer. Quand il touche la porte, est-ce qu'il y a Absolument quelque chose pas. Qui bouge au niveau de la sphère? Et la sphère, on est d'accord, c'est en mouvement à l'intérieur. C'est comme si ça flottait sur soi-même, comme ça, tout en pulsant. Est-ce que ça fait comme une sorte de cœur en fait mécanique? Je essaie toujours de la tirer. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. De force et non pas de sauvegarde. En bas à gauche de la force. Tu n'y arrives pas. Yes. Ça ne bouge pas.
Je vais essayer de choper un des engrenages dans la sphère et d'essayer de le bloquer un peu. Ok. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Tout à fait. Oh. Tu as fait combien? 21? Ok. 21. Tu vas pour mettre ta main, mais quand tu t'approches, en fait, la sphère tourne plus rapidement sur elle-même et t'as tout juste le temps de retirer ta main. Ah, c'était ce type de jet d'extérité. Okay. La sphère est agressive, je vois. En même temps, si t'arrêtais de mettre tes mains partout. Aldine et Deneb, Il faut et surtout toi expérimenter. Deneb, pardon, Aldine et Corée, décidément, et surtout Aldine, vous entendez encore cette voix dans votre tête qui devient plus pressante, sans être plus agressive, mais plus insistante. Viens! Viens, rejoins-moi! Mais qu'est-ce qu'on Libère-moi! doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Libère-moi! Libère. Je veux bien, mais je... Te libérer? Te libérer de quoi? Viens. Viens. Du coup, je m'approche de la sphère et j'essaye de avec ma mon épée. De faire. Attends, Le mec va perdre son épée, quoi. Aldine, t'as essayé d'ouvrir la porte déjà? C'est ça que t'arrives pas à faire? Oui. Ouais. Moi, j'entends que Corée, elle dit, enfin, elle dit de libérer, comment, machin. Je dis, la porte est fermée, c'est peut-être justement que la chose qu'il faut parler est enfermée dedans. Oui, c'est probable. Mais si Aldi n'arrive pas à ouvrir la porte, comment? J'essaye avec mon épée de voir si mon épée ne peut pas rentrer, Dans quoi? Dans la sphère? Dans l'entaille de la porte, s'il y a une, si je vois une entaille ou pas, ou Tu comme ça. vas mettre l'épée, mais tu vas essayer de tirer un petit peu, mais tu vas dire que tu vas casser ton épée si tu continues. Bah, je vais essayer de mettre mon épée du coup sur la sphère. À bloquer Ok, un peu. fais-moi un Jamais jet de sauvegarde de constitution, m'enlever s'il te plaît. Ah, formidable. Donc là, c'est en bas à droite. Parce que toi, normalement, t'es formé, je pense. Oh! Et bah, double Magnifique. 7, En double fait, 12, c'est tu bien. vas essayer de mettre ton épée pour essayer de bloquer un truc, mais même chose que quand Deneb a voulu mettre la main, la sphère va tourner. Et en fait, ton épée va être prise dans un des engrenages et tu vas essayer de résister comme ça du mieux que tu peux pour pas te faire comme aspirer. Et pendant quelques instants, tu vas lutter jusqu'à ce que hop, t'arrives à retirer ton épée. Et la sphère reprend sa force, sa course. Toujours avec cette pulsation. Et quand tu fais ça, tu retires ton épée et t'as cette voix dans ta tête qui te dit: Viens! Rejoins-moi! Je veux bien, mais je sais pas Je suis là, comment reviens! arrêter cette. Viens! Et ça ne vient pas de cette pièce, ça vient d'à côté. De l'autre côté de la porte, ça, oui, c'est pas moi qui entends. Ah Viens de l'autre côté de la putain! porte, oui. Ah non, 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 les non, cercueils! non, non, pas de la pièce où vous venez, c'est la pièce qui est fermée. Ah, la pièce qui est fermée, d'accord. Ok. Et du coup, bah moi je me retourne, je vais bien, mais je sais pas comment Mais ouvrir. bon Dieu de là! Faites-moi tous un. Pardon, Puisque tout le excuse-moi, monde, Fiskold. tout... enfin... non, j'allais dire puisque tout le monde s'amuse avec la sphère. Moi, j'essaie de m'approcher. Je mets pas la main dedans. S'il y a une partie, s'il y a une surface qui tourne, tu touches plutôt la surface. En fait, j'essaye de pousser la sphère. J'essaye pas d'arrêter le mécanisme, mais Elle ne de la bouge pousser pas depuis du le fond de tout. la pièce. Tu as beau y mettre toute ta force, elle reste fixe. Pourtant, elle est pas ancrée au sol, mais elle reste là. Et t'arrives pas à la Ouais. bouger. Comme si une espèce de champ de force réussissait à la maintenir en place. Faites-moi tous un jet de Bien. perception, s'il vous plaît. Ouais, j'allais dire Tout à fait. perception. Ah bah comme Perception. d'habitude, je ferme les yeux. Et s'aperçoit.
Allez, s'aperçoit. Ah, est-ce que je peux arrêter de faire des critiques quand j'ai des avantages, s'il vous plaît? C'est si agréable pour moi, MJ, de vous voir échouer lamentablement. Sauf Deneb. Exactement. J'ai pas échoué. Pour le coup, la sphère ne te dit rien. Tu vas plutôt regarder en direction de cette porte. Et tu remarques que les gonds ont l'air d'être un peu érodés. Comme si la porte était coincée. Elle est verrouillée, hein, pour le coup, mais les côtés sont un peu friables. C'était pas mieux que je vais mettre mon épée. Regarde ça, je regarde ça et je tends la main et je balance un rayon de givre sur les. Fais-moi un jet d'attaque. Sur les gonds. Un jet d'attaque. On est vous êtes en train d'attaquer une porte. Ça ne peut pas. Je savais que ça allait vous manquer. La légende! Ça ne peut pas bien. Alors attends, je fais le jet d'attaque. Oh putain! Moi, c'est la galère. Et voilà, jet d'attaque. Okay. En fait, ton rayon va venir s'éclater contre la porte, mais enfin, contre le mur à côté de la porte, puisque sur la porte. Du coup, je le regarde. Je fais. Bien sûr. Et du coup, La porte a l'air en mauvais état. Il y a peut-être moyen de la défoncer, mais pas les côtés. La sortir de ses gonds. Ok, j'ai une hachette. Je peux essayer de taper sur les gonds pour essayer de les buter, enfin de les éclater. Ok, fais-moi un jet d'attaque. De quoi, Vinskald? Non, on va tuer des gonds aujourd'hui. Et je fais un jet d'attaque. Tout à fait. Ça. Joli. Oh, joli. Et tu vas, en fait, tu vas t'acharner un peu sur un des gonds qui est à portée, sur une des charnières de la porte. Et à force d'insister, à force de taper, tu vas en faire sauter un des écrous. Et tu vas commencer à pousser un peu cette porte-là. Qui résiste encore, mais tu réussis quand même à pousser du mieux que tu peux. Je ne sais pas ce que font les autres pendant ce temps-là. Ouais, du coup, pendant qu'elle pousse, moi je vais à son aide et je vais pousser à la porte aussi. Ok. Ouais, vous allez tous les deux, ou à plus, vous allez forcer pour faire bouger cette porte. Et à force d'insister, ça va vous prendre, en tout et pour tout, ça va vous prendre peut-être 10 minutes. Vous allez réussir à la déloger. De son encadrement, et vous allez voir la porte qui, dans un mouvement rapide et lourd, faire pfff, s'écrouler au sol. Eh, le coup de hachette, c'est pas mal! Mmh. Il est. C'est parfait. Flavien. Tu peux rentrer. Ok! Bon, cette fois-ci, j'ai remarqué que c'était pas un token. Donc c'est bon. Ça n'est pas un token. Je panique pas, en fait, vous allez rentrer dans une salle qui ressemble pas aux autres. Pour le coup, elle ressemble à un dodécaèdre. Totalement lisse. Vous voyez que... C'est pas un pentagone. En fait, c'est une pièce qui fait une vingtaine de mètres de long au total. Et au centre de cette salle, okay. Vous allez trouver un octaèdre doré qui est posé sur sa pointe. Je vais vous montrer plus précisément, okay. Et encore une fois, je le remercierai jamais assez. Oh, trop bien! Mais Fred Boot. Tout à fait. Vous allez tomber sur cette pièce. Oh, mon Dieu! C'est extrêmement beau, ce dessin est magnifique. Je vous invite à en faire un fond d'écran. Il y a matière à faire un fond d'écran. Donc vous allez tomber sur cette étrange pièce qui est totalement dorée, qui a l'air de briller là. Et au sol, vous allez retrouver donc ce fameux motif que vous aviez vu sur les murs auparavant, ce fameux cube de Métatron qui est au sol. Et à son exact centre, vous avez la pointe de ce cube, de ce D8. Vous avez la pointe qui va toucher
le centre de la forme géométrique du cube de Métatron. Mais elle le touche tout simplement. Et pourtant, elle a l'air de flotter juste au-dessus. Chacun des angles, et comme vous le voyez, est rattaché par une chaîne, des énormes chaînes, qui est bien plus grosses que vous, qui bloquent, qui sont rattachées sur les autres surfaces des murs de la pièce. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la voix, elle en est où? Vous rentrez tous dans cette pièce, et vous allez tous entendre une voix qui va dans un murmure, mais un murmure si puissant qu'il a l'air de résonner dans toute la pièce. Vous entendez? Vous êtes enfin arrivé à moi. Mes indications vous ont donc aidé dans le monde des bêtes monstrueuses. Bienvenue dans ma prison. Et la voix a l'air de parvenir au centre de l'octaèdre. Ok. Pourquoi nous avoir guidés ici? Pardon, excuse-moi. Je disais, pourquoi nous... qui êtes-vous et pourquoi nous avoir guidés ici? Vous êtes particulier. J'ai senti l'étincelle qui vous anime. Le potentiel. Oh là, y a rien qui m'anime là, frère. Vos esprits ont résonné jusque dans ma prison. Frère, tu nous as fait faire des rêves en fait. Oui. T'as un langage bien bizarre depuis. Wesh. D'accord, je. Je. Ok. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous emprisonné? Je suis un esprit ancien, l'enfant des châtiments, l'architecte du renouveau. Et je suis prisonnier ici, dans cette prison. Ceux qui vivaient ici ont créé ma prison afin de m'utiliser, s'emparer de mon essence et l'injecter dans leurs projets pour leurs propres bénéfices. Je suis... rester aveugle à tout ce qu'il manigançait. Prisonnier de ce lieu sans issue. C'est pas... Deneb, j'y connais rien en esprit et tout ça. Est-ce que par hasard, en fait, il vous aurait pas, en fait, tout simplement, en fait, emprisonné parce que vous êtes dangereux? Je vous ai dit pourquoi j'ai été emprisonné. Afin d'être utilisé. Et qui vous a emprisonné? Ce sont les protéins? Ça tend un petit peu. Ceux qui m'ont emprisonné sont ceux qui régnaient sur ces terres avant que les mortels ne viennent les envahir. Ok. Des anciens dieux? Non. Des mortels, eux aussi. Des grands mortels? Vous savez... pour moi... l'espace, le temps, la taille... tout ça n'est que trop abstrait. Et du coup, si on vous fait sortir, qu'est-ce que... Je pense qu'on n'a pas trop le choix non plus, mais qu'est-ce qui se passe? Je connais le moyen de vous faire sortir, mais vous ne saurez pas le contrôler. Il ne vous emmènera que là où il le désire. Et je peux vous ramener où vous le désirez. Qui ça, il? Le passage. Et c'est quoi cet endroit? S'il s'agit de ma prison,
Pourquoi il y a tous ces sarcophages? Pourquoi il y a cette tour, ce passage étrange? Je suis enfermé dans cette pièce depuis des temps immémoriaux. Je ne connais rien de ma prison. Et comment on doit faire pour vous libérer? Je pense que l'énergie qui vous capture est peut-être au-delà de nos compétences. Vous-même n'êtes pas capable d'en sortir. Pensez vraiment qu'on peut vous libérer? Si vous ne me libérez pas, je resterai prisonnier et vous emprunterai la sortie. Priez pour que vos dieux posent un œil favorable sur vous, mortel, car vous arriverez peut-être trop tard. Je suis la clé pour sortir. Esprit. Et vous êtes libre de partir. Mais on ne sera pas libre dans notre esprit avec Corée, parce que ça fait quand même quelques nuits que vous... Je vous ai guidé ici pour me libérer. Si votre choix est de me laisser prisonnier à nouveau, c'est votre choix. Esprit. Pourquoi... Alors, j'ai deux petites questions. Quel est ton nom? Je vous l'ai dit. Je suis l'enfant des châtiments. Je suis l'architecte du renouveau. D'accord. L'enfant des châtiments. Ok, enfant des châtiments. Est-ce que ça nous parle ou pas du tout? Enfant des châtiments, architecte du renouveau. Pourquoi nous, enfin moi et mon compagnon ici présent, avons été les seuls à entendre votre appel? Pourquoi? J'ai senti votre étincelle. Elle brillait plus que les autres. Vous étiez plus réceptif. Plus ouvert. Et là, des nets jaloux. Par rapport à quoi? Je comprends pas. Il y a un magicien à côté. Pourquoi? Chacun a son propre pouvoir. Chacun a sa propre... conscience, sa propre consistance, sa propre énergie, sa propre étincelle. Je vous ai à tous envoyé ce message, mais seul vous l'avez accepté. Est-ce que... C'est pas un hasard qu'on soit ici? On a des ancêtres ici? On descend tous de ces personnes-là? Qui étaient là, qui vous ont emprisonné? Je suis aveugle. Je ne vois pas. Je vous ai senti. Je ne sais pas qui vous êtes. Et donc, vous avez pu nous sentir à travers les mondes, car vous nous avez senti déjà depuis Pangée. Vous avez un pouvoir de perception au-delà des frontières des mondes. Cette prison est très ancienne. Avec le temps, elle s'est effritée, étiolée. Suffisamment pour que je puisse divulguer, découvrir, reconnaître. Cela a pris des milliers d'années. Cela prendra d'autres milliers, millions d'années pour s'effondrer. Ok. Comment fait-on? Comment fait-on pour vous libérer? On doit détruire les chaînes? On doit casser comment? Quelle est la marche à suivre? Si vous acceptez de me libérer, vous poserez vos mains sur les colonnes et vous irez où vous le souhaiterez. Et je serai libre. Et en fait, vous remarquez que derrière... Alors, je vous demande juste une seconde. Hop, je vous remets juste là. En fait, derrière, au fond de la pièce, vous avez... Ouais. Vous avez... Hop, excusez-moi, je vérifie juste un truc. Pas de soucis. Ouais. En fait, au fond de la pièce, contre une des parois, vous allez voir cette, donc cette petite forme circulaire.
suffisamment grande pour accueillir une petite demi-douzaine de personnes. Et à côté de ce cercle, il y a une colonne, comme la colonne que vous avez vue dans les rêves, comme celle qui vous a permis d'entrer dans cette prison. Et il y a une empreinte de main sur le dessus. Si vous souhaitez partir, il vous suffit d'apposer votre main. À nouveau, vous ne contrôlerez pas votre destination. Oui, mais si on te libère, enfant du châtiment, architecte du renouveau, Imhotep. Skippy grand gourou, on pourra être sûr de rentrer chez vous. Sans moi, vous pourriez vous retrouver bien loin de chez vous, loin de votre empire, loin de tout. Mais surtout, petite chose mortelle, loin de ce pourquoi vos maîtres se sont battus. Ce pourquoi ils ont donné leur vie. Et ce pourquoi ils ont été détruits. Un dieu. Ah non, vous êtes au courant de ça. Ceux que vous appelez l'Ordre Rouge n'ont aucune conscience de la menace qui pèse pour eux. Ils restent là, dans leur forteresse qui ne sera bientôt plus. À moins que vous ne me libériez. Alors je vous transporterai jusqu'à elle. Et vous aurez une chance de peser dans la balance. De sauver ceux qui incarnent aujourd'hui le dernier rempart contre le chaos à venir. Peut-être même qu'au moment venu, vous obtiendrez de ma part une aide inattendue, rendant la victoire plus facile. Car sachez-le, mortel, Misty Antrios tombera si vous ne la rejoignez pas rapidement. Misty Antrios, c'est la forteresse de l'Ordre Rouge que vous étiez censé, ce qui était indiqué dans vos lettres laissées par vos mentors, vous étiez censé vous rendre en fait à la base. C'est une forteresse cachée en plongée à Ophermos, en Ophermos. Okay. Mais alors du coup, quelle est cette force qui menace notre empire? Vous connaissez cette sorcière Crissée? Celle qui a tué le maître, elle fait partie de ses forces. La chose qui emplit vos esprits m'est inconnue. Mais j'ai senti sa colère. J'ai senti son amertume. Et je sens qu'elle s'apprête à frapper encore plus fort. Je ne connaissais pas vos mentors. Ok. Mais j'ai observé. Et tout ce qu'ils aimaient, tout ce pourquoi il se battait sera bientôt brisé par celle que vous pourchassez. Je sais. D'accord. Comment vous conduire à elle. Ok. Question. Échantillement. Quelqu'un doit-il fusionner avec toi? Non. Je vous l'ai dit. Ok. Il vous suffit d'appuyer sur les colonnes, si vous l'acceptez. Ok. Bon bah, foutu pour foutu, de toute façon. Je ne crains quand même que la sorcière ne s'est pas envoyée ici par hasard et qu'elle s'attende à ce qu'on vous perde. La sorcière ne vous a envoyé nulle part. Je vous ai fait venir. D'accord. Puisque vous savez comment fonctionne ce passage, où sont partis les corps de nos maîtres? À quoi ont-ils servi dans ce rituel? Je l'ignore. Oh, très bonne question. Je l'ignore. Cette créature que vous pourchassez est encore pleine de secrets. Mais ça n'était que le début. Très bien. C'est Lincoln qui réfléchit deux secondes. Et qui dit Il faut libérer. S'il nous ment, on ne sait pas ce qui se passe. Et tout est égal. Mais s'il y a une chance pour qu'il dise la vérité, nous ne pouvons pas prendre ce risque.
je suis assez d'accord. De toute façon, aujourd'hui, je suis tellement désespérée et je veux tellement retrouver mon chez-moi et peu importe, en fait, les conséquences. Je suis prête à poser ma main sur une colonne. Moi, j'étais déjà vers une colonne. Alors, juste au niveau des colonnes, attention, actuellement, il n'y en a qu'une seule qui est à côté du cercle. Cette colonne-là, si vous mettez la main dessus, vous ne libérez pas l'esprit et vous sortirez. Si vous décidez de libérer l'esprit, il se passera autre chose. Oui, c'est ça. Moi, je suis à côté d'une colonne, mais peut-être que c'est la mauvaise. Il n'y en a qu'une seule. En fait, il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Et du coup, j'étais genre à côté, quoi. Okay. Genre prêt à mettre la main si je... D'accord. Ok. Mais voilà, sachez que dans la pièce, il n'y a qu'une seule colonne. Et c'est la colonne qui vous permet de sortir sans libérer l'esprit. Ah, je pensais qu'il y avait quatre colonnes. Non, il n'y en a qu'une seule. Ok. Ah ouais, mais non. Alors, du coup, en fait, comment j'ai entendu colonne, je pensais que j'étais... Enfin, du coup, j'étais à côté de la colonne pour genre... Ouais, bah c'est... J'avais mal compris et j'étais à côté pour... Bah, je vais vous libérer. Non, là, pour le coup, si t'appuies sur cette colonne-là, tu ne libères pas. Ok. Oui, celle-là, c'est dans le... pour les autres... Bon. C'est ça. Petit aparté entre nous quatre. Mes amis, qui est devenu quasiment comme des frères, que voulez-vous qu'on fasse? On fait quoi? On prend le risque de sortir sans l'esprit? En potentiellement étant séparés et... Ah, c'est tellement funeste! On libère l'esprit? Moi, je suis de l'avis de Vince Cole. C'est un pari à prendre. Mais on sait déjà qu'il y a une menace qui pointe sur nous avec la sorcière. Le pire qui puisse nous arriver, comme tu le dis, c'est qu'on soit séparés et qu'on n'ait aucune force pour lutter contre la sorcière. Si l'esprit qui est dans cette prison est mauvais, de toute façon, nous avons quelque chose à affronter, donc ça ne changera pas vraiment notre situation. Et comme disait Vince Cold, si nous avons peut-être une chance d'augmenter nos forces et de vaincre la sorcière, c'est une chance qu'il faut prendre. Je suis assez d'accord, mais j'ai tellement peur de vous perdre. De toute façon... On reste dans ce monde et on a toutes les chances de mourir rapidement. Soit on quitte sans le libérer et on a toutes les chances d'être séparés. S'il nous ment, ça ne changera pas vraiment notre situation. Nous n'avons aucune solution satisfaisante. À part celle qu'il nous propose si elle est vraie. Ok, faisons ça alors. Je pose la main où alors? Attends. Dans ton cul. je conclue. De toute façon, même s'il ne nous avait pas dit tout ça, dans le doute, je préfère libérer un innocent plutôt que de le laisser prisonnier dans l'incertitude, plutôt que de peut-être libérer un coupable. Si jamais il s'avère maléfique, nous le réemprisonnerons. Nous en aurons le cœur net. Ok. Mais ne laissons pas, peut-être, un innocent emprisonné depuis des millions d'années. Ok. Très bien. Faisons ça alors. Avez-vous pris votre décision? Ah, je viens de me niquer le sein. Nous souhaitons vous aider. Nous souhaitons vous aider à vous libérer. Je corrais, dis oui, tout en se faisant mal au sein. Au moment où vous acceptez, devant Aldine, Corée, et Deneb, vous voyez une colonne sortir du sol et se positionner juste devant vous. Une colonne d'1m30 environ, avec l'empreinte d'une main dessus. Ok. Comme dans le rêve, comme... Ok. Vince Cold, t'as pas de colonne. Je vais vers le fond de la salle et je me place à côté de la colonne avec la main au-dessus. Ok, je me place. J'imagine aussi... que c'est comme ça que ça fonctionne, sinon salut les copains. je me place aussi à côté d'une colonne avec le buzzer. Ok. Vous faites autre chose?
Je dis juste, souviens-toi de ta promesse, esprit. Et vous posez. Attends, pourquoi Vince Cole, il a pas de pilier ? Il y a pas de pilier qui apparaît devant Vince Cole. Moi, je suis parti du principe que comme il y en avait déjà un dans la pièce, qu'il en a juste fait apparaître un pour vous et qu'il en reste un pour moi. Et si c'est pas ça, bah tant pis. Mais j'en ai ras-le-bol. Okay. Donc on avance. Vous posez tous votre main. Chacun votre tour. D'abord Aldin. Puis Corée. Puis Vince Cold, puis Deneb. Et au moment où vous avez posé toutes les mains sur les piédestals, sur les petits promontoires, vous voyez que les chaînes commencent à trembler et dans un fracas épouvantable, s'écroulent sur le sol. Et là, vous voyez la forme, l'octaèdre, le D8, vous le voyez tourner sur lui-même. Tourner. Et de plus en plus rapidement, si rapidement que vous n'avez l'impression, enfin vous avez l'impression de voir une sphère dorée en mouvement, en train de tourner sur elle-même. Et puis, dans un flash, vous voyez une lumière qui vous aveugle et vous vous sentez transporté. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes dans le. Et une hydre. Vous entendez un ronflement ? Non. 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 Pas vous êtes dans le noir. Deneb, tu ne vois rien. Corée, tu ne vois rien. Aldin, toi ? Tu constates que tu es dans une pièce enfermée et que tout autour de toi sont gravés des symboles mystiques, des symboles que tu ne comprends pas vraiment. Fais-moi un petit jet d'histoire, s'il te plaît, ou d'arcane. Non, histoire, c'est bien. D'arcane, pas d'histoire, excuse-moi. Ça sera pas un jet d'histoire, désolé. N'oublie pas ton désavantage. Ouais. Ok, là. Tu ne reconnais pas ce que tu vois. Par contre, comme tu vois dans le nord, tu vois qu'en face de toi, il y a une porte. Avant d'avoir le temps de t'approcher de cette porte, tu entends des voix derrière. La porte s'ouvre et tu vois un homme, la cinquantaine, les cheveux grisonnants et l'air sévère. Il porte une broche qui représente signe de l'ordre rouge. Et dès qu'il rentre dans la pièce, tu vois une dizaine de gardes qui portent tous un tabard blanc avec un ouroboros rouge sur le plastron. Ils vous tiennent en respect. Vince Cold, toi quand t'as ouvert les yeux, tu es réapparu sur un petit promontoire rocheux. Il fait nuit. Putain. Il fait froid. Le vent est en train de frapper ton visage. Et en bas, tu vois un petit village fortifié avec quelques petites lumières à l'intérieur. Tu es tout seul. Et la suite, au prochain épisode.